Chers amis internautes, bonjour, une nouvelle vidéo du Veilleur non silencieux. Donc, je voulais aujourd'hui vous parler des sectes et de comment faire la différence entre une école de mystère, une véritable école de mystère, et les sectes proprement dites qui foisonnent et qui se font passer pour des écoles sérieuses et qui sont en réalité des attrape-nigauds, même s'il y a toujours un petit fond de vérité et d'enseignement véridique. Tout ceci est fait pour faire du business. Enfin, par rapport à la fin du XXe siècle, on a quand même fait quelques petits progrès, les humains se laissent un peu moins avoir maintenant. Et disons que cette multiplication de sectes et d'écoles, de petites écoles, entre parenthèses, dites ésotériques ou occultes, ce foisonnement de sectes est dû bien sûr au fait que nous arrivons à la fin d'un cycle et que nous sommes aussi à l'aube d'un changement de rayon cosmique influent sur la planète. Je vous l'ai dit, le rayon 6 est en train de disparaître, de s'éteindre. Il ne va pas disparaître, il va se mettre en obscuration, c'est-à-dire que son influence va de moins en moins peser sur notre planète. Le rayon 6, qui est le rayon de la religion, de la dévotion religieuse. Donc c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de groupuscules extrémistes qui essayent de survivre et de montrer leur force. En réalité, c'est un aveu de faiblesse. Faire usage de la violence pour faire croire au monde qu'on est puissant est un aveu de faiblesse. Donc en fait, ces extrêmes religieux sont en train de disparaître, de s'éteindre petit à petit. Tout ceci au profit du rayon 7, qui est le rayon d'ordre cérémoniel et magique. Donc, sachez qu'il n'y a jamais ou du noir ou du blanc, il y a toujours les deux dans une énergie. Alors évidemment, le côté négatif de la chose du rayon 7, c'est qu'on a des gens très mal intentionnés qui sont en train d'essayer de nous imposer un nouvel ordre mondial, puisque le rayon 7 est le rayon de l'ordre cérémoniel. Ils sont en train de nous imposer un nouvel ordre mondial basé sur le profit et sur le contrôle des masses par l'élite qui tient les finances, c'est-à-dire cette petite poignée de familles qui sont là depuis des siècles. Ça, c'est le mauvais côté du rayon 7. Mais le bon côté du rayon 7 sera que, effectivement, un ordre nouveau va apparaître sur la planète. Un ordre nouveau qui ne sera plus basé sur la foi, on va dire, ou la dévotion idéaliste, un peu aveugle, c'est-à-dire j'ai foi en ceci, j'ai foi en cela, alors qu'en réalité c'est de l'endoctrinement, il n'y a pas grand-chose de fondé ni de sérieux dans l'extrémisme religieux, c'est uniquement de l'endoctrinement. Tout ceci va disparaître au profit d'un nouvel ordre qui sera bien entendu basé sur, qui devrait être basé dans le positif, sur le juste échange, le juste commerce, le commerce équitable, sur les justes relations humaines, et également sur les échanges communicatifs et sur la télépathie. Voilà. Bon. Donc ça, c'est dans le futur. L'être humain devra de plus en plus développer ses capacités télépathiques. Alors, nous en avons le pouvoir. Il suffit de lire l'autobiographie d'Alice Bailey pour s'en persuader. Elle a fait elle-même, elle a écrit les livres les plus élevés spirituellement qui existent sur la planète, uniquement par ce procédé. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, l'ancien ordre religieux, où il y a des adeptes ou des élèves et un enseignant, c'est-à-dire l'école de l'ère du poisson, si vous voulez, va disparaître petit à petit pour donner naissance à l'ère du Verseau, qui va arriver d'ici à peu près 80 ans, à peu près, mais ça va se mettre en place petit à petit. L'ère du Verseau, ça sera l'ère de la télépathie, de la communication à outrance par les airs. Le Verseau est un signe d'air et non pas un signe d'eau, souvenez-vous bien de ça. Donc, pourquoi je vous parle de tout ça? Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que les énergies qui sont en train aujourd'hui de se débattre et sont des énergies qui vont être remplacées. Alors, l'ordre matérialiste, c'est-à-dire le gouvernement mondial actuel qui est sataniste, est en train de faire son travail, c'est-à-dire qu'ils sont en train de détruire cet ancien ordre religieux du rayon 6, ils sont en train de détruire tout ça. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, c'est ce qui est en train d'arriver, mais ce nouvel ordre mondial basé sur un contrôle des satanistes ne durera pas. Vous savez très bien que le bien reprend toujours le contrôle à un moment donné des choses, parce que c'est l'avenir de la planète qui est en jeu, et pas seulement de la planète. Donc, c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de sectes donc foisonner à gauche à droite depuis maintenant un demi-siècle.
comment vous en prémunir? Comment faire la distinction, vous qui avez la foi, la soif de connaissance, l'envie d'apprendre et d'avancer dans votre chemin spirituel, comment faire la distinction entre une secte qui va vous endoctriner, hein, et une véritable école initiatique spirituelle? D'abord, il y a un moyen très simple, c'est la gratuité. Une véritable école spirituelle est gratuite. Voilà. Déjà. C'est la base, première des choses. Deuxième chose, une véritable école spirituelle vous laissera toujours votre libre arbitre pour vérifier le bien fondé de ses enseignements. On n'essaiera pas de vous imposer un dogme. Et le troisième chose, c'est la séparativité avec vos familles, vos proches, votre femme, vos enfants, vos ascendants, vos descendants, etc. Une secte va essayer de vous couper de votre environnement pour vous récupérer pour eux seuls. Alors qu'une véritable école ne fera absolument rien qui va dans ce sens, au contraire, et même les religions sont faites à la base pour relier les gens entre eux, bien à la base. Hein. Voilà, donc sachez bien faire ces trois distinctions. Gratuité, même si une école vous demande de faire des dons, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de payer, mais que vous pouvez faire des dons si vous le désirez, ça fait partie de la gratuité. C'est à vous de décider si vous avez envie de donner ou pas. C'est pas, on ne vous impose pas un tarif d'entrée. Voilà. Ça, c'est une véritable école. Deux yeux, donc n'oubliez pas, la séparativité et le libre arbitre qu'on vous laisse. C'est-à-dire qu'une véritable école d'enseignement, même si vous décidez d'arrêter pendant 6 mois parce qu'il vous faut du temps pour emmagasiner toutes les données ou parce que vous avez tout simplement envie d'aller expérimenter ce que vous venez d'apprendre, et une véritable école vous dira, vous pouvez arrêter quand vous voulez, reprendre quand vous voulez. On ne vous dira pas, non, à partir du moment où vous avez arrêté, c'est terminé, on ne veut plus de vous. Voilà. Donc, gardez bien ces trois principes en tête, gratuité, libre arbitre, hein, et non-séparativité. Donc c'est très facile sur le papier, hein. Mais vous savez, il y a des manipulateurs qui sont très très forts. Hein. Tout ça pour dire aussi que les gens ont un petit peu du mal à faire la distinction en ce moment entre les religions, entre la religion et la spiritualité. J'en ai déjà parlé dans une de mes anciennes vidéos. Sachez que la religion n'a pas toujours, je n'ai pas dit qu'elle n'avait jamais, pas toujours grand chose à voir avec la spiritualité. Hein? Les religions, à la base, sont inspirées d'un être qui était plus avancé que les autres, qu'on appelle des prophètes pour les musulmans, ou qu'on appelle les demi-dieux pour les Grecs ou pour les Romains, ou qu'on appelle tout simplement des êtres élevés spirituellement, des êtres ascensionnés, peu importe comment vous les appelez. Ce sont toujours des êtres avancés qui viennent nous inspirer les religions qui sont ensuite fondées et fabriquées par les hommes. C'est pour ça que je dis ça, parce que quand un musulman me dit un musulman n'obéit qu'à Dieu et il n'obéit pas aux hommes, les musulmans, ils oublient juste une chose, c'est qu'ils obéissent au Coran. Et que le Coran n'a pas été écrit par Dieu. Je suis désolé de vous le dire, mais le Coran a été écrit par des hommes. Hein. Il a été écrit par des hommes suite aux visions du prophète Mahomet, que je respecte énormément, ou Muhammad, et lui-même ayant été guidé par l'archange Gabriel. On ne parle pas de Dieu là, hein. Il n'y a pas de Dieu. Dieu n'a pas écrit directement, n'est pas venu directement lui-même écrire le Coran sur la pierre. Ou... Non. Hein. Donc, quand les musulmans me disent on obéit à Dieu, qu'est-ce que vous en savez? Vous n'en savez rien. Et c'est là où j'ai envie de dire la limite entre l'endoctrinement, le dogme et la spiritualité. C'est que c'est bien joli de croire dur comme fer à un livre, même s'il est très bien écrit. Derrière, il faut pouvoir vérifier aussi tout ce qui est dit. Hein. Donc... Je suis désolé, mais voilà, la différence entre l'endoctrinement et la spiritualité, entre la religion et la spiritualité, elle est quand même... La spiritualité, c'est pas ça, hein. La spiritualité, c'est le lien personnel que vous avez avec votre conception du divin et de la création divine. C'est ça, la spiritualité. Hein. Et comment vous allez faire dans votre vie pour vous rapprocher le plus possible du créateur, de la création. C'est ça, votre spiritualité, c'est quelle est l'attitude que vous allez adopter dans votre vie pour retourner à votre source de façon grandie, plus grande, plus proche, avec plus de conscience, plus d'amour, plus de connaissances. Qu'allez-vous faire dans votre vie pour développer cet aspect-là,
Ce n'est pas obéir aveuglément en des récits ou en des écrits qui ont plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires pour certains. C'est pas ça la spiritualité, c'est pas obéir à un livre. Hein? Aucunement. C'est aucunement ça. Ça peut être ça, en partie. La connaissance livresque est importante. Mais en application, c'est pas parce que c'est marqué dans un livre que vous pouvez battre votre femme ou que vous avez le droit d'en avoir quatre. Ou... Bon, là, vous allez me dire, je stigmatise l'islam. Non, mais je pourrais très bien dire la même chose. Pour les juifs, hein, il y a des choses dans le Talmud qui sont particulièrement discutables et très racistes. Il y a des choses en chrétienté qui sont très étranges, surtout dans l'Église. Je veux dire, quand vous voyez le comportement du Vatican avec toutes ses richesses, sa bibliothèque, qui est la plus grande bibliothèque du monde, et ses sous-sols remplis de richesses, de bibelots, c'est anti-christique, ça va complètement contre l'enseignement de Jésus lui-même. Lui qui n'avait rien. Qui apprenait le don de soi, faire don de soi aux autres, l'altruisme, la compassion, l'amour inconditionnel. Je donne sans attendre en retour. C'est ça Jésus. J'ai guéri des milliers de personnes avec mes mains gratuitement sans rien demander. Et la religion qu'on a bâtie sur lui, c'est une religion hein, tenue par des gens qui sont à la tête d'un mini-État, hein, puisque le Vatican est un État. Qui contient des richesses, mais phénoménales. C'est-à-dire qu'avec ces richesses, déjà, en les vendant aux enchères, on pourrait déjà donner à manger au moins à 2 ou 3 pays pauvres, pendant au moins 1 an. On n'est pas du tout là dans la spiritualité de Jésus, mais pas du tout. Hein? Donc, voilà. Et je veux reprendre une phrase de Mohammed, Mahomet, le prophète, qui a dit, on lui a dit quel est le plus important dans la vie d'un homme, qu'est-ce qu'il doit faire, quelle est la chose la plus importante, il a répondu, l'attitude, c'est un hadith, je ne pourrais pas vous dicter lequel c'est, ni quel est son numéro, je ne connais pas suffisamment bien malheureusement, mais c'est une réponse qui moi me parle, parce que c'est une réponse spirituelle, ça c'est spirituel, le prophète, Mohammed, était quelqu'un de spirituel, c'est clair et net, maintenant, il y a des choses dans le Coran, je suis désolé, qui sont très discutables, plus que discutables, qui sont même révoltants parfois. Voilà. Et aussi la façon de mettre en application les choses. Par exemple, dans le Coran, il est écrit qu'on ne doit pas faire de mal aux animaux. Or, moi, je peux vous garantir que je vis dans un pays actuellement, un pays musulman, je peux vous garantir que les animaux sont loin d'être bien traités, très très loin d'être bien traités. Et pourtant, ces gens-là qui traitent mal les animaux sont à la mosquée le vendredi et font le ramadan, et voilà. Donc, la différence entre la religion et la spiritualité, elle est dans l'attitude. Elle est dans l'attitude. Obéissez-vous aveuglément à un dogme ou avez-vous réellement une attitude spirituelle? Pratiquez-vous tous les jours l'abnégation, c'est-à-dire l'oubli de soi, pour penser aux problèmes des autres. Vous sentez-vous concerné par les problèmes humanitaires, par les problèmes du monde, par la guerre, par les guerres, les différentes guerres qu'il y a actuellement? Vous sentez-vous touché par les victimes qui sont innocentes? Vous sentez-vous touché par le malheur animal et toute la souffrance qu'on lui cause? Faites-vous quelque chose pour essayer de changer cela, vous-même à votre petite échelle? Travaillez-vous sur vous-même, sur vos peurs, sur vos addictions? Faites-vous quelque chose pour votre voisin qui souffre, votre collègue de bureau qui est malade ou atteint d'une maladie grave? Essayez-vous de trouver une solution pour les gens qui n'ont pas d'argent? Faites-vous des choses comme ça dans votre vie? Voilà. C'est ça qui est important. C'est pas obéir à un livre ou à une connaissance livresque parce que c'est écrit et parce qu'on vous le dit depuis que vous êtes petit. C'est voilà, toute la différence entre la religion et la spiritualité, encore une fois. Et la différence entre une secte et une véritable école de mystère, ça sera donc, je termine avec ça, la gratuité. On vous laissera votre libre arbitre et votre façon d'expérimenter les connaissances à votre rythme. Et surtout, on n'essaiera pas de vous séparer de votre famille. Et vous ne devrez pas vous séparer de votre famille parce que vous partez sur un chemin qui est un chemin de solitaire. Sachez qu'une recherche spirituelle est toujours un chemin de solitaire. C'est même un chemin qui va vous faire sentir seul, vraiment, pendant un long moment. Vous allez vous sentir seul, alors jusqu'à ce que vous découvrirez que vous ne l'êtes pas. Il y a une grande famille de gens déjà éveillés. Et en fait, en réalité, plus vous allez vous éveiller, plus vous allez vous sentir seul, parce qu'en fait, plus vous êtes éveillé, plus on attend de vous
que vous guidiez les gens qui sont maintenant un petit peu en retard derrière vous. On attend que vous les guidiez. Donc vous ne devez plus attendre des autres, c'est eux qui attendent de vous. Plus vous allez vous grimper, plus vous allez voir de haut, plus ceux qui sont en bas vont vous demander ce que vous voyez. Comprenez-vous? Donc, ayez une attitude spirituelle, sachez prendre de la hauteur, sans prendre les gens de haut pour autant. Sachez prendre de l'altitude, sachez vous élever, essayez d'avoir des qualités d'âme. Ces qualités d'âme sont la générosité, le don de soi, l'abnégation, la compassion pour tout être vivant, animaux, humains, confondus. N'oubliez pas que les animaux sont doués de la même sensibilité que les humains. Ils souffrent autant que nous, ils s'attachent autant que nous, ils aiment autant que nous. Sachez-le, ce sont nos jeunes frères. Ce sont nos jeunes frères et nous n'avons absolument pas le droit ni d'abuser de notre pouvoir sur eux, parce que nous en avons un, puisqu'ils comptent sur nous pour les aider à avancer, ils nous font confiance, hein. Ni d'abuser d'eux, ni de notre pouvoir sur eux, ni de les faire souffrir émotionnellement, car ce sont des êtres qui s'attachent à vous et qui vouent leur vie pour vous. Voilà. Donc, au sujet des sectes, si vous avez des questions... ou sur les écoles de mystère, si vous voulez en faire, si vous voulez essayer de rentrer dans une école de mystère pour apprendre et pour évoluer, sachez qu'il y en a. Elles ne sont pas des centaines ni des dizaines, il y en a quelques-unes, francophones, anglophones, dans toutes les langues. Pour ce qui concerne les sectes, évidemment, il y en a à foison, mais je pense que si vous appliquez les trois règles que je vous ai dites, vous allez pouvoir faire une élimination très rapide et facile. Déjà, la scientologie, vous pourrez éliminer immédiatement, les témoins de Jéhovah aussi, et les raéliens également, etc., etc., toutes ces... Je ne veux pas dire de mots méchants, voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation, et je vous retrouve pour une autre vidéo très bientôt. Merci à tous.